Bien, alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde m'entend? J'attends vos retours. Le jeu n'a pas planté, hein, je vous rassure, c'est juste que les chargements se font, tout ça. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc, bonsoir à toi Nova, bonsoir à toi Thorlink. Merci d'être présent sur le live. J'ai décidé au final de changer de jeu parce que j'ai tout simplement envie de jouer sur un jeu qui bouge pas mal. Et je me suis dit pourquoi pas Halo 2 Anniversary, comme entre guillemets vous ne connaissez pas. Je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que tout va bien? J'ai toujours pas vos retours à savoir si vous m'entendez bien. Change le jeu, t'as encore Minecraft? Ça va pas. Ok, très bien. Bon bah allez, on va lancer la cinématique de début. Profitez, par contre, restez avec la connexion un peu pourrave que j'ai. Restez en mode fenêtré, on va dire. Comme ça, vous pouvez voir en même temps bah, le chat, hein, ça sera plus visible pour vous. Ok, c'est parfait. Bon, on va lancer Halo 2 Anniversary, donc le dernier Halo qui est sorti en réédition HD, hein, qui est sorti dans la collection du Major en novembre de l'année dernière. Allez. On va faire un mode mission, un mode mission, et ce qu'on aimerait nous. Ce n'est pas ça, c'est pas ça, non. Donc vous trouverez le let's play d'Halo 2 Anniversary sur ma chaîne que j'ai déjà fait. Et nous allons commencer par la première mission. On va se mettre en mode normal, classique, sans crâne. Donc c'est parfait. Sérieux, j'ai encore pas. Mais non, j'ai changé. Non, il y a marqué Halo, justement, ouais. Ou alors au pire, réactualise. Allez, je vous laisse avec la cinématique d'intro, on se retrouve juste après. Je ne vous fais pas confiance. Lui peut-être, mais moi pas. D'accord. Peu importe que mon ami vous fasse confiance, Spartan Locke. C'est ma confiance que vous devez gagner. Arbiter. Vous êtes un chasseur, c'est ça. Un spécialiste de la traque. Ce n'est pas mon titre officiel, mais ça s'en rapproche. Et vous chassez d'autres Spartans. Ce n'est pas les Spartans que je chasse, c'est plutôt le Spartan. Vous cherchez... 117. L'identité de votre proie m'avait été cachée. C'est pour cela que je vous la révèle. Vous parliez de confiance, après tout. Puis-je vous poser une question? Vos hommes l'appelaient démon. Est-ce que c'était une insulte ou un compliment? Une insulte, c'est certain. Mais avec une touche de respect. Il a été mon ennemi. Et un jour, il est devenu mon allié. Puis un ami. Les événements qui ont donné naissance à ce lien sont compliqués.
campagne avec un seul vaisseau. Un seul? Vous êtes sûr? Oui. Il s'agissait du Pilar au Photon. Expliquez-nous donc comment il a pu vous échapper! Notre objectif principal était la planète. Mais j'ai lancé tous mes vaisseaux à sa poursuite. Lorsque vous avez vu Halo, Sa Majesté vous a-t-elle aveuglé? Aveuglé? Aveuglé, paralysé. Non. Et pourtant des humains ont pu s'échapper, atteindre l'anneau sacré, et le souiller de leur présence impure. Noble hiérarque, comprenez que lorsque le parasite a attaqué... Un peu de silence dans ce conseil! Vous avez eu raison de vous occuper du parasite, mais ce démon, ce major... Lorsque j'ai compris ce qu'il comptait faire, il était déjà trop tard. Noble prophète de la vérité, il suffit. Le châtiment de ce misérable doit être exemplaire. Le conseil l'exige. Vous êtes l'un de nos instruments les plus précieux. Vous avez mené cette flotte avec honneur et courage, mais votre incapacité à protéger Halo nous a conduit au désastre. Non, c'était de l'hérésie. Je continuerai à me battre contre les humains. Non, sûrement pas. Bientôt le grand voyage commencera. Le poids de votre échec sera trop lourd pour emprunter la voie, et vous ne serez pas des nôtres. Leurs vêtements allaient lâcher. Regardez comme cette couche est poreuse. Bloc optique, grillé. Je parle même pas du bloc d'alimentation. Vous savez combien ça coûte ce matos, fiston? Allez dire ça au Covenant. Ok, alors je vous retrouve directement. Donc non, il ne s'agit pas de Star Wars ni de Mass Effect. C'est Halo 2 Anniversary. Donc avec le Master Chief. Ce qui est principalement sur ma chaîne YouTube, du même nom, et j'avais juste envie de proposer tout simplement un petit live détente. Ouais, de toute façon c'était du matos obsolète. Cette armure est un modèle 6 qui vient juste d'arriver de Sonium. Essayez-la en douceur, le temps de vous y habituer. Ok, commençons par essayer la visée. Regardez la lumière du haut. Bien, regardez la lumière du bas. Alors bonsoir nouveaux arrivants, donc j'ai vu Iteleduno, excuse-moi si j'accorche ton pseudo. Il y a Sasuke, j'ai vu, Dubois, Von Reicher, donc bonjour à vous. Regardez la lumière du bas, fiston. Parfait, regardez à nouveau celle du haut. C'est ça, à nouveau celle du bas. Est-ce que tout va bien au niveau du son entre mon gameplay et le son à voix? Désactivez les inhibiteurs. Déplacez-vous un peu pour voir ce que ça donne. Quand vous serez prêt, rejoignez-moi près de la console. Très bien. Alors, est-ce qu'il y en a entre vous qui connaissent un petit peu la saga Halo ou pas du tout? Écoutez bien, parce que je répéterai pas. Ce stand permettra de tester la recharge des boucliers d'énergie. Les boucliers de la nouvelle armure sont hyper résistants, très efficaces. Alors très bien pour ma part, Dubois, je te remercie. Bon bah c'est parfait. Bingo ! C'est pas trop dégueulasse au niveau de la qualité. Enfin, rester en fenêtré, hein, parce que je peux faire que du 360. Ce que je veux, voilà, c'est qu'il n'y ait pas de lag. Mettez-vous à couvert le temps que ça recharge. Sinon il peut se planquer derrière moi. Vous avez fini avec mon petit gars ? Je vois qu'il n'a plus de Yubana. Son armure fonctionne du tonnerre, Johnson, alors lâchez-nous un peu. C'est bon, tout est ok, mais pas la peine de s'emballer. Merci de me confirmer. Ok, donc là j'aime taire un petit peu parce qu'il va y avoir pas mal de cinématiques. Si vous voulez que je revienne sur le scénario, alors, Johnson, il nous attend sur le pont. Comment vous avez fait pour vous en tirer une fois de plus?
Désolé, je peux rien dire. Ah ah, mon cul, vous pouvez vous gratter pour les réglages sur votre lunette à deux. Et parce que... Il y a une mauvaise poêle aujourd'hui. Lord Hood a dû oublier de l'inviter. Allez, à partir de maintenant, j'ai pas trop parlé, ce sera prêt. Terre. Des années que je ne l'ai pas vu. Quand je me suis engagé, la défense orbitale, c'était rien qu'un vague projet. Et regardez ça. Là, le Cairn n'est que l'une des 300 plateformes orbitales. Ce canon AM peut réduire en bouillie un vaisseau amiral Covenant. Avec les tirs coordonnés depuis l'Athènes et le Malte, il n'y a rien qui puisse passer la grille en un seul morceau. Il arrive tout un tas de vaisseaux depuis ce matin. Personne ne dit rien, mais je parie qu'il se prépare quelque chose. Vous voyez, quand je vous dis que je suis aimé, à peine j'arrive déjà dans le jeu, boum, je me fais déjà applaudir. Bon, alors par contre, je vous préviens, dans ce jeu, oui, les temps de chargement sont assez longs, mais c'est juste pour lancer les débuts d'émission. Après, il n'y en a pas du tout. Je suis en difficulté normale, donc vraiment pour faire un petit live détente. Hein. Bon, je suppose qu'au niveau du scénario, vous devez pas capter grand chose. Est-ce que vous voulez que je revienne sur le scénario ? Vous m'aviez promis qu'il n'y aurait pas de caméra. Et on avait dit que vous seriez présentable, je crois. Les gens ont besoin de héros et d'espoir, Major. Un grand sourire, d'accord ? Tant qu'il nous reste encore des dents. Être déçu. Vous croyez? Messieurs, nous sommes heureux de vous revoir. Allez-y, Cortana. Un autre signal, près de Yo. Des sondes ont été dépêchées. Désolé, mais il va falloir que nous abrégions un peu. Vous n'êtes pas mal. Merci. Sergent, Major, la Croix des Colonies vous a été décernée pour vos actes héroïques. Pour un soldat de l'UESC... C'est la pire des hérésies. Faisons un exemple pour tous ceux qui brisent notre alliance. Commandant Case, les actes de votre père étaient dans la droite ligne de la plus grande tradition militaire. Sa détermination dans un combat avance l'honore, lui et l'ensemble du UNSC. La marine a perdu un temps. Près du réseau de défense. Faites voir. Vaisseau amiraux. Il stationne hors de votre armement. Ici l'amiraux. Envoyez toutes nos forces sur l'ennemi. Négatif. Formez un périmètre de protection autour du réseau de défense. Commandant, à votre vaisseau. Rejoignez. Bien.
Cortana, dès qu'ils sont à portée du canon magnétique, tirez. Entendu. Ça ne colle pas. La flotte qui a détruit Reach était 50 fois plus importante. Monsieur, d'autres contacts. Ce sont des vaisseaux d'abordage. Ils veulent détruire nos canons à accélération magnétique pour que leurs vaisseaux amiraux puissent atteindre la Terre. Major, vous défendez la station. Compris. Il me faut une arme. C'est par ici. Ok, alors bonsoir à toi, Caro fait le show. Est-ce que vous voulez que je vous fasse brièvement un résumé? Ça prendra pour moi 30 secondes. Donc là, dans la cinématique d'intro, vous avez vu une sorte de dualité entre deux personnes. Vous avez le Master Chief qu'on incarne là actuellement, qui est un soldat donc de l'UNSC. L'UNSC, qu'est-ce que c'est? C'est une alliance en fait de soldats humains, tout simplement. Et vous avez eu un autre peuple qu'on a vu plus extraterrestre qui s'appelle les Covenants. Et les Covenants, en fait, on a découvert en fait ce que j'appelle tout simplement une élite qui s'est fait, on va dire, lariser, qu'on a traité d'hérétique, et ça fait suite aux événements de Halo. Alors, je sais que j'aurais peut-être dû commencer par Halo 1, mais Halo 1, je l'ai fait déjà en let's play, le Halo 2 aussi, Anniversary, Halo 2 normal, et c'est juste un live détente, hein, je précise. Mais si ça vous plaît en tant que live, si la qualité suit et si ça vous fait plaisir, pourquoi pas par la suite faire tout simplement un let's play d'Halo carrément en live quoi. Vous trouverez directement sur ma chaîne en ce moment un let's play que je fais en tri-commentary sur Halo 3. Allez, on y va, on va aller chercher des armes. Première arme, fusil de combat, on a aussi la mitraillette. Et petite nouveauté dans Halo 2, on peut porter, à l'époque hein, c'était une nouveauté, deux armes. Ah, tout va bien. En stand-by, c'est verrouillé. Vérifiez vos cibles, attention aux tirs croisés. Ils sont en formation standard. Les petits devant, les gros derrière. Bonne chance, Locker. Donc qu'est-ce qui se passe grosso modo là? La plateforme où on est avec l'UNSC se fait attaquer donc par les Covenants, la race alien que vous avez vue. J'ai peut-être une latence au niveau de vos coms parce que... Oui Caro, j'ai une chaîne YouTube du même nom. Ok, donc au niveau des coms, j'ai de nouveau... Oh, c'est bon. Hop, alors, on est parti. Petit déni classique, on a les grognards. Et ici, les élites qui ont des boucliers, tout comme nous. Et donc nous, on incarne ce qu'on appelle le Master Chief. Master Chief, ouais. Master Chief, qui est un de mes héros principaux de jeu. La série, je la connais depuis à peu près 10 ans. Hein. Hop, alors on va se couvrir, on va faire attention. Et c'est un peu pour ça que je voulais changer, parce que je voulais proposer un peu de FPS, et surtout, dans mes abonnés, on va dire, qui me suivent plutôt actuellement, ne connaissent pas trop la saga Halo. C'est le principal de ma chaîne, et c'est vrai que ça fait plaisir, bah, tout simplement, de vous présenter Halo. Oui, ça fait du bien de temps en temps FPS, je suis bien d'accord. Voilà, restez en mode fenêtré, je sais que c'est du 360p, malheureusement j'ai pas une connexion de fou, mais au moins on a la stabilité, hein. La stabilité de la connexion, sans bug et surtout sans latence, c'est ce que je joue là. Donc. Certes, je vous cache pas, hein, moi je joue là en 1080p, 60fps, mais au moins on est sûr que de votre côté en 360p, ça reste bien, et surtout, bien sûr, eh bien c'est très stable. Alors je vous fais profiter des doublages français qui sont vraiment exceptionnels. Et au niveau de ma santé, vous voyez mon juste en dessous en fait du radar, c'est ce qu'on appelle mon bouclier. Et mon bouclier, une fois qu'il est HS, je reçois en général un coup et c'est la fin. Je suis mort et il va falloir recommencer. Ok. Allez, on va les équiper un peu des élites. Donc en bleu là, les ennemis un peu plus grands pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est les élites, et ce qu'on a tout simplement, les tout petits, avec les voix un peu bizarroïdes, c'est ce qu'on appelle les grognards. Alors par ici, il n'y a pas grand chose, non. Ok, vous pouvez voir honnêtement que ce jeu est vraiment bien au niveau FPS, hein, voilà quoi, ça brûle bien.
Mais il n'y a pas que du bourrinage, des fois il va falloir un petit peu réfléchir sur certaines phases. Et surtout faire attention à tout ce qui bouge, hein, et surtout tout ce radar qui est vraiment hyper bien sympa, quoi. Hop, donc là, on va poursuivre par là. Regardez un peu. Je sais que pour vous, ça sera pas forcément très beau, mais au niveau des décors, la richesse. Quoi. Je trouve ça vraiment hyper sympathique. Alors, hop. Alors, pour info, les élites, elles vont avoir différentes couleurs. Différentes couleurs, ce qui veut dire dans la hiérarchie des Covenants, en fait, le grade auquel ils appartiennent. Je m'explique. Le bleu, ça va être, on va dire tout simplement, une élite de base. Après, vous avez pu apercevoir peut-être avant une élite rouge. C'est une élite qui a un grade supérieur, etc., etc. Nous avons les jaunes encore qui sont plus importants, et tout, et tout. Alors, quand ça parlera, en général, je vais essayer de, disons sur la cinématique, de ne pas parler. Mais j'espère que quand il y a des voix dans les jeux, que mon commentary ne passe pas dessus et que honnêtement, c'est parfaitement audible, quoi. Y'a plus grand monde là. Ok, on peut mettre la lumière. Hé, regardez ça! Le Malte a déjà repoussé l'assaut. Le Malte, quel est votre statut? À vous. J'y crois pas. Il se replie. On a gagné! Là, on est vraiment mal barré. Alors, comme vous pouvez voir, en fait, ce qui a explosé, c'est une autre plateforme, en fait. C'est le Malte, hein, tout simplement. Et nous, on est sur la station qui s'appelle le Caire. Allez, on va un petit peu explorer. Nouvelle élite. Juste là. Hop. Voilà, on les a zigouillés facilement. Alors, ce qui est vachement bien, en fait, je vous explique sur Twitch pourquoi j'ai décidé d'être sur Twitch. C'est parce que là, je joue via directement à la Xbox One. Donc, j'ai un boîtier d'acquisition et tout ça. Mais grâce, en fait, à la Xbox One, qui est aussi disponible, ce système sur PS4, on peut directement liver sur Twitch. Malheureusement, pas sur YouTube encore. Directement, sans le boîtier d'acquisition, via l'application. Et moi, en fait, si vous voulez, je joue en fenêtre 3 quarts et je vois vos commentaires, tout simplement, sur une partie de l'écran. Ce qui veut dire que je suis pas obligé de rester sur le PC, quoi. Et à n'importe quel moment, je peux voir si le live a crashé ou pas, quoi. Voilà. Puis c'est vrai qu'il faut s'ouvrir un peu, un autre type de genre, hein, de jeu. Donc là, on va revenir sur nos pas, ça sert à rien, la suite c'était par ici. Ok, donc ici, accès mitraillette, mais on en a pas encore besoin. Regardez, je sais que c'est bête, vous, c'est franchement, c'est qu'en 360p, mais les effets de lumière, là, ici, ils sont vraiment... Ouais, moi, c'est vraiment... honnêtement, je trouve que, comment un FPS, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'on est vraiment dans le feu de l'action. On sait toujours... Il n'y a forcément pas un temps mort, en fait, dans les FPS. Et c'est surtout ça qui me plaît, pourquoi j'ai fait l'FPS. Quoi. Est-ce que j'ai fait la bande... Tu veux dire la bêta? J'ai vu les bandes annonces, mais surtout, est-ce que j'ai fait la bêta de Halo 5? Oui, je l'ai fait. Bonjour, Azurka. Comment ça va, Azurka? La petite Azu. Ok. Très bien. Et surtout ces musiques, moi, que j'adore dans Halo. Ah. Regardez, encore une station qui a explosé. Cortana, au rapport. L'explosion a eu lieu à l'intérieur de l'Athènes. Même chose pour le Malte. Les Covenants ont dû venir avec quelque chose. Une bombe. Alors, ils en ont certainement apporté une ici. Chef, trouvez-la. Personnel non combattant en zone pressurisée. Oui, si tu parles du lien en fait des deux bandes annonces quand on a vu Spartan Locke et Master Chief, je les ai vus, hein, mais tu peux les mettre dans le. Au cas où, oui, si tu veux, j'autorise hein, le lien dans la description, dans la liste des commentaires. Ça me pose aucun souci. Allez, on va poursuivre. C'est par où déjà? Normalement, c'est par là. Voilà, c'est ça.
regardez. J'ai adoré, c'était excellent. Ah, il va falloir que je fasse attention parce que vous voyez, je vais mettre ma torche parce que sinon on les voit pas assez. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand je porte deux armes, je ne vais pas pouvoir, taper au corps à corps. Il n'y a que quand j'aurai une seule arme. Et honnêtement, on se croit limite. Moi, en fait, Major Chief, je me fais énormément penser, honnêtement. Et c'est aussi une série. Alors, vous voyez, lui aussi, il a un camouflage. Me fait penser énormément à la saga Terminator. Et je suis vraiment un gros, gros fan de la saga Terminator. À tous, nous abandonnons la station. Et c'est vraiment un jeu qui a été retravaillé. Parce que Halo 2 est un jeu à la base. Qui est sorti en 2002. Je me trompe pas, attendez, 2004 pardon, sur la première Xbox, c'est ça. Ce jeu donc a été refait intégralement en HD, mais il a été refait sur tous les points quoi. Graphiquement, au niveau du son, ça a vraiment été une tuerie. Et pour moi honnêtement, ça a été, on va dire, le let's play qui a vraiment commencé à lancer ma chaîne quoi. Regardez. Oui, normalement les lives sont, les liens sont interdits en live, ça je confirme. Mais bon, là on est plus en live détente, moi ça me pose pas de soucis. Hein. Et écoutez honnêtement cette musique quoi. Enfin moi je trouve que voilà, c'est soufflant moi. C'est surtout que j'aime Adam Halo. C'est surtout pour ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, vous regardez et vous retrouvez surtout la première salle où on était quand on a fait nos premiers tests au début de la mission. Et écoutez, je crois que notre formateur du début est mort. Alors si je me trompe pas, normalement il devrait y avoir le fusil à pompe. Faudrait juste que je le retrouve au cas où. Au cas où, sinon c'est pas grave. Hein. Allez, on continue comme ça. Alors ici, ça va un petit peu se calmer. Hop. Surtout que c'est bien bourrin et que c'est un jeu qu'on peut faire en coop. C'est ça que j'adore, c'est un jeu en coop qu'on peut faire à deux. Dans le mode campagne. Et c'est énorme. C'est énorme et c'est vraiment, vraiment, vraiment moi, ma saga de FPS depuis 2002. Quoi. Préférée, bien sûr. Ah ouais, non, mais elles sont énormes les musiques. Dans Halo, c'est... Limite, je placerai même, tout simplement, j'ai lancé une grenade ici, grenade fragmentation, une grenade de l'UNC, et je place honnêtement les musiques de Halo au niveau des musiques de FF. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Nouvelle arme ici. Alors attention, grenade bleue, donc ça ce sont des grenades plasma que les Covenants ont, et on peut se faire ce qu'on appelle coller. Alors lui, par contre, là-haut, il va me saouler. Ok, c'est bon. Alors, je suis pas un énorme, on va dire, mec qui est hyper dans les FPS. Entre le jeu, rentre dedans et... Oui. Allez, petite grenade. What? Ouf. Ça a explosé. Ça a explosé. Non mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Ah, c'était celui de là-haut. Grenière à la tourelle. Allez. Alors je vous préviens, je suis quelqu'un qui recharge aussi assez souvent. J'ai peur de manquer de munitions et de me faire avoir. Voilà, on est parti. Ensuite, par ici, par ici. Et vous voyez, on retrouve exactement la zone. Grenière qui nous tire à la tourelle. Alors honnêtement, grenade là. Parce que sinon, voilà. Alors ça, c'était pas mal fait. Attention, bouclier qui clignote. Voilà, on s'en sort plutôt. Nickel. Par ici, nickel. Continue, hein. Ici, il n'y a pas grand chose. Est-ce qu'on a récupéré des munitions? Oui, sur la mitraillette, c'est parfait. Pour l'instant, j'ai privilégié les armes de l'UNSC, donc de la race humaine, hein, pour vous montrer. Puis après, un petit peu, on s'intéressera sur ce qui se passe du côté pour les Covenants. Ici, où est-ce que c'est? J'arrive pas à voir. Ah, ici. Regardez. On retrouve un... Ouais, on retrouve un des soldats de l'UNSC. Ouh, il m'a fait mal, lui. Hop, ensuite. Le jeu, hein, je vous précise, hein, je le connais ouais, par cœur. Hein. Je tiens à dire. Oui, ben moi c'est surtout que j'aime bien, tu vois, Caro fait le show, honnêtement. Ce que j'aime beaucoup dans Halo, c'est ce thème
qu'ils ont repris et remixé dans les différents lots, ce qu'on appelle les chants grégoriens, quoi. Et moi, j'adore ça. Je suis fan de... Du bois, tu me demandais, tu vois, cet après-midi, si j'étais fan de musique piano. Oui, mais je suis surtout fan de musique classique. Alors, nouveau type d'élite ici avec des jetpacks. Et là, on va se retrouver carrément, en fait... Ouais, par contre, ils font mal. Ils font super mal. On va se retrouver dans l'espace. Là. Hop. Et Master Chief, hein, comme vous avez vu qu'il a une énorme combinaison, eh bien, il peut respirer facilement. Alors, on va essayer de le tuer. Mort ? Mort, très bien. La suite, c'est pas par ici, c'est par là. Très bien. Ah, mais moi, j'ai toujours aimé les doublages français des Halo. D'ailleurs, les Halo ont toujours été traduits en français. La VF est vraiment excellente. Et faut avouer une chose, c'est que les grognards ont vraiment une voix exceptionnelle. Chef, occupez-vous de la bombe. Et vite, Cortana, définissez les cibles prioritaires. Et feu à volonté. Est-ce que vous avez compris qui est Cortana dans l'histoire ? Je vous ai souvent parlé du Master Chief et Cortana. Je vais vous laisser en commentaire me mettre. Et surtout... pour voir si vous avez compris qui est Cortana. Si vous n'avez pas trouvé, je vous le dirai après en commentaire. Enfin, en commentaire, directement en vidéo. Hop. Premier échelon, avec moi. Vulvérisez-moi ces croiseurs un par un. Deuxième échelon, occupez-vous des destroyers. Évaluation des vaisseaux ennemis dans la zone. 13 croiseurs et 2 destroyers. Du beau linge. Alors, nouveau type d'ennemi, et quelquefois aussi je ne vais pas parler, pourquoi ? Bah parce que vous, pour que vous compreniez directement les échanges qu'il y a entre là, les différents personnages, hein, protagonistes dans la série. C'est un petit peu voulu, hein. Cortana, c'est le méchant. Dubois, t'en fais exprès ! Vous en faites exprès, hein. Je vois que Nova est plus dans le... ne participe plus beaucoup au chat. Est-ce que c'est voulu ? Est-ce qu'il y a des problèmes de co ? Est-ce qu'on peut me tenir au courant un petit peu ? Voilà, c'est le nom. Bien, bien joué, Caro. C'est le nom de l'intelligence artificielle qui accompagne toujours le Master Chief. C'est ce que vous avez vu, la une sorte de représentation holographique bleue qu'on avait vue en forme de femme. Et c'est vraiment un personnage qui est tout simplement pour moi exceptionnel. Mais il faut suivre justement les scénarios parce que Halo, franchement, pourquoi c'est un très bon FPS ? Non seulement parce qu'il est très jouissif en termes de gameplay, mais aussi surtout c'est qu'il a vraiment un scénario vraiment hyper profond et très 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 détaillé, vraiment. Alors, on va utiliser l'arme debout comme ça, vous voyez. Comme ça, on les anéantit au fur et à mesure. Vous voyez ici, on a une élite rouge donc, qui a un statut beaucoup plus grand. Oh, j'ai même pas eu. C'est dommage. Alors, vous avez écouté cette voix du grognard, c'était magnifique. Hop. Ensuite, bah écoutez, on va continuer. On peut sauter. Non, il faut activer l'ascenseur. Allez, vas-y. Ouais, moi aussi je te cache pas que Halo 5 m'attend Guardians, donc Halo 5 Guardians, j'attends vraiment avec impatience le 27 octobre. Et que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe surtout par rapport à Cortana. Je vais pas spoiler, on va aussi éviter de spoiler les événements d'Halo 4. Mais oui, honnêtement, ça a l'air d'être énorme quoi. Bah Dubois, en fait, pour ton info, les armes donc des ennemis, donc des Covenants, c'est des armes qui sont concentrées plutôt sur le plasma. Les destroyers passent en force. Ils foncent droit sur le Caire. Cortana, concentrez le tir sur le premier destroyer. Amiral, très bien. Occupez-vous du second. En formation, tout le monde. Suivez-moi. Faire attention là-bas, l'élite à la tourelle. Voilà, on l'a eu. C'est parfait. Vous voyez ça, franchement, c'est un jeu, faut faire quand même faire attention. Pourquoi ? Parce que bah, le bouclier, même en mode normal, hein, est un mode, on va dire, quand même assez simple. Hein. Mais il faut quand même faire attention parce que le bouclier se vide assez rapidement. Vous
Moi, mon arme préférée dans ce jeu, je dois vous avouer que c'est l'épée d'énergie à concentration, l'épée covenante. Pour les, on va dire plutôt pour le corps à corps, et sinon ce que j'aime beaucoup, c'est le fusil à pompe et le fusil plasma chez les Covenants, que je vous montrerai par la différente occasion. Regardez, ne serait-ce que le petit détail, on est dans l'espace. On entend les bruits, certes, bon, normalement dans l'espace on n'entend pas de bruit. Mais voyez la gravité que j'ai par rapport au saut. Vous aviez vu mes sauts juste avant quand on était à l'intérieur de la station. Et bien regardez là, je saute beaucoup plus haut. C'est le détail qui fait la différence. C'est surtout ça qui fait des bons jeux, quoi. Voilà, on n'a pas de temps de chargement en plus, hein. On va arriver à une séquence que j'aime beaucoup. Le temps qu'on descende de l'ascenseur. Alors si les épées énergie, justement, pour la première fois, sont prenables dans Halo 2. Je vais la montrerai peut-être à l'occasion, on verra. Et ici, ça va faire mal parce qu'il y a plein d'ennemis, on se croirait dans Star Wars. Regardez tout ce... Oh, cet amoncellement de couleurs là. En plus fluo, moi je surkiffe ce jeu. Honnêtement, je le surkiffe vraiment. Écoutez la musique. Je vais me taire 30 secondes. Là, je l'ai collé en fait, tout simplement grâce à une grenade plasma covenant. Et vous voyez que là, l'élite a deux armes, donc elle fait hyper mal. C'est pour ça que j'essaie un peu de me cacher. Ah, c'est bon, on l'a eu. Il reste du monde ? Le voilà ! Oui, ici. On va t'avoir la mitraillette, on va recharger. T'es par où ? T'es ici. Tiens. Et on te finit. Écoutez, je vous laisse avec la cinématique de la fin de cette première mission. Intégrez-moi à votre armure, vite. Cortana, c'est elle. Combien de temps? Vous préférez ne pas le savoir. Le Caire, ici le Inamberclad. Le bouclier du destroyer est HS. Nous nous préparons à l'attaque. Négatif, commandant. Pas seul contre un vaisseau de cette taille. Monsieur, permission de quitter la station. Qu'avez-vous en tête, Major ? Refiler leur bombe au Covenant. Permission accordée. Je sais à quoi vous pensez. C'est de la folie. Alors, restez ici. Mais malheureusement pour nous... Je suis un peu folle. Une petite question. Si vous échouez... Impossible. Écoutez la musique. Thank you.
Ah, ils volent pas trop mal. Major, à l'intérieur, vite. La suite va se passer sur Terre. Ok, donc fin de la première mission. Donc vous aurez refilé la bombe qui comptait utiliser contre sur laquelle on était. Et ses super pouvoirs, si on peut dire d'une certaine manière, les a renvoyés contre la flotte Covenant. Et donc là, nous sommes arrivés sur Terre. Sur la deuxième mission qui s'appelle Banlieue. Est-ce que Thorlink est parti ou est-ce qu'il est encore là? Peut-être que c'est le jeu qui lui a pas plu, je sais pas. Je suis pas devant le PC, hein, donc je ne vois pas Twitter, je ne vois pas tout ça. Hein, donc essayez de me tenir un petit peu un maximum, quoi. Au niveau des infos. Moi, je vois bien vos commentaires, je vois combien de personnes sont présentes sur le chat. Ça fait plaisir. Du moment que vous me dites, voilà, ça crache pas, c'est parfait. Je capte juste un message. Regret. Sympa. Et qu'est-ce que ça veut dire? Chers humains, nous regrettons d'être aussi débiles. Nous regrettons d'être venus. Et nous regrettons encore plus de nous être fait ramasser par les Marines. Ouais! Regret est un nom, sergent. C'est celui d'un des grands prêtres Covenant, un prophète. Il est sur ce cargo et il demande de l'aide. Danger, sur secteur 2003. Recommandons arrêt mission. Ok, éclaireur. Comme vous voulez, sergent. On y va. Marines, soyez prêts. Major, allez sur ce cargo et capturez-moi ce prophète du regret. Les Covenants ont décidé d'atterrir à cet endroit précis. Ce prophète va nous expliquer pourquoi. Ok, bon bah alors vous avez vu cette magnifique araignée Covenant, qui est no autre qu'une machine qu'on appelle, Scarab. Et faut avouer qu'elle nous a mis la misère dans notre vaisseau de l'UNSC. Allez, on poursuit. Alors, Caro, quand tu parles du colonel, tu parles du colonel Hoffman ou tu parles du sergent Johnson? J'aimerais bien que tu me précises. Si tu parles d'humour, c'est la personne que tu vois là. C'est moi aussi, c'est la personne que j'aime bien, le sergent Johnson. Un personnage très récurrent et très important. Bonjour. Oh, j'ai loupé. Voilà, merci. C'est parfait. On continue. Petit amoncellement de grognards. On va essayer de les avoir et de pas trop gâcher de munitions. Hey ! Rapaces ici. Nouveaux ennemis, les rapaces avec des boucliers. Vous voyez ? Des boucliers plasma. Voilà, donc ok. Y a pas de souci. Je t'ai donc répondu, Caro. Ensuite, j'ai du mal à voir, mais j'ai suivi sur mes deux jambes après. C'est dommage que je vois pas la fin de vos coms en fait. C'est-à-dire que moi là, vous voyez, quand je vois les coms autour de vous, j'ai du mal à voir. Mais je suis sur mes deux jambes après un et j'ai pas la fin. Alors ça, c'est dommage. Peut-être une configuration d'écran qu'il va falloir que je fasse pour un prochain live. Donc nous, on va aller un petit peu dératiser tout ce qu'il y a. D'accord, donc après un crash. On va un petit peu explorer, voir ce qu'il en est. Ah, il y a une élite là-bas. On va aller la tuer. Boum. Switch d'armes, qu'est-ce que t'appelles du bois par switch d'armes? C'est-à-dire, déjà je ne peux posséder, mettre en place que deux armes, et je dois avouer que si tu veux que je montre un petit peu quelques nouvelles armes, ça sera pas trop le moment, on va dire. Tout simplement parce que pour cette phase-là, je vais avoir besoin énormément d'une grosse puissance de feu. Vous voyez, tout ce qui va arriver. Et donc les armes de l'UNSC, on va dire, sont tout simplement les plus efficaces. Ouais, le sang bleu là, c'est vachement bien fait. Bon, après, je sais que c'est en 360p, mais voilà quoi.
Oui, bah non, pas trop moi, j'ai pas trop hâte de les voir, les Hunters. Alors, on va juste se taire pour montrer à ceux qui ne connaissent pas l'univers d'Halo pour voir ce que c'est. On va juste récupérer quelques munitions, sympa et tout, quoi. Faire le ménage. En tout cas, les Hunters sont vraiment pas du tout mes copains, bien au contraire. Alors, la suite, c'est par où? Ils sont où? Ils arrivent! Ils arrivent par où? Là-bas! Alors, donc ce que je disais, les rapaces, malheureusement on l'a pas vu, si on le voit ici, ont des boucliers plasma et les armes, vous voyez, quand je tire dessus de l'ANC, ne sont pas très efficaces. Donc c'est pour ça, dans ce genre de situation, il vaut mieux privilégier des armes plasma qui désactivent le bouclier, baissent la défense, ou super Johnson, ce que t'as fait le coup de snipe. Allez, relève-toi, debout. Oh, pas eux. Les aime pas eux. On va essayer de les avoir assez rapidement parce qu'ils vident le bouclier assez rapidement. Bon, ça va aussi. Les coéquipiers font quelque chose de propre et faut dire que l'IA est assez bien gérée. Ce que je propose. D'accord, c'est bon, il l'a tué. Parfait. Il en reste encore. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il y a souvent des points de contrôle, et les points de contrôle sont hyper bien, on va dire, gérés en fonction des différents points qu'on a, hein. C'est vraiment très sympathique. Allez, de nouveau des petits grognards, on y va. Ah mais écoutez ce bruit, ah, c'est énorme. Allez, une élite, on va s'en occuper. Ok. Allez, c'est un réflexe que j'ai avec la mitraillette, hein. En général, j'aime bien recharger quand la moitié des balles arrive, on va dire, à échéance. Oh, il a essayé de me lancer. Oui, ne serait-ce que c'est quelque chose de très bien. L'élite, en fait, a sauté pour esquiver la grenade, quoi. Vous pouvez me dire, c'est peut-être ok, assez facile dans un jeu, on voit ça maintenant, mais n'oubliez pas que ça, c'est une réédition d'un jeu HD, hein. À l'époque, ce jeu était sorti en 2004 sur la première Xbox. Donc ils ont juste remodélisé, mais les mouvements ne sont pas nouveaux. Au contraire, ils ont gardé les mêmes mouvements que le jeu d'origine. Et pourquoi Halo 2 Anniversary? Bah parce que ce jeu est sorti pour les 10 ans de la sortie d'Halo 2, quoi. Alors, un premier appareil Covenant qu'on voit, qui s'appelle le Fantôme, qui débarque en général des troupes. Donc on va bien faire attention. En général, en plus, ils ont une grosse puissance de feu. Ça peut faire très mal. Ouais, du genre, je sais pas s'il va me tirer dessus. Non, non, ça va, on a de la chance. Je crois qu'on l'a entendu, mais... Super, elle était bien passée, celle-là. Ok. On s'en est aussi bien sorti contre cette élite. Reste du monde, j'entends. Ici. Pas mal. Ensuite, par ici. Au pire, ouf! Oh, le retour! Le retour de la grenade froide que j'ai adoré. Et par contre, vous. Boum! Allez! Merci, c'est bon. Ah, le moment que t'attendais, Caro. Voici nos copains. Les chasseurs, regardez un peu la taille de ces monstres. Les chasseurs. Donc les chasseurs, je vais juste vous présenter un peu ce que c'est. Vous voyez? En fait déjà ils ont une carapace énorme. Donc pour les détruire c'est chaud. Et ils tirent en fait des sables comme ça de plasma, quoi. Et en fait ils ont une petite, on va dire, faille, c'est leur dos en fait. Donc ce qu'il faut faire... Voilà, esquiver ça, mais en faisant attention qu'il t'a pas dessus. Heureusement que je suis en normal, sinon je serais mort. Hop, on va jeter quelques grenades et essayer, on va dire tout simplement. Voilà, on va essayer au pire de les coller. Voilà, comme ça on fait un maximum de dégâts, en plus ça les paralyse. Voilà, encore une fois. Ah, on est. Oh oui, on l'a collé là, cette fois. Mais ce serait mieux de le coller en arrière, hein, au pire. Et ce qu'il faut faire, c'est ça. Sauf que, comme ils sont deux, je ne peux pas faire grand chose et m'occuper des deux en même temps, malheureusement. Au pire, on va essayer de voir si on peut pas trouver d'autres grenades.
Ouais, je sais, je fais un petit peu durer, mais je voudrais bien trouver des grenades. J'en ai toujours pas, malheureusement. J'aime pas ça. Allez, viens. Voilà, mais voyez, faut tirer en arrière. Et là, c'est leur point faible. Bon, faut dire aussi qu'on l'avait déjà pas mal affaibli. Hein. Regardez le bruit, écoutez. Pour montrer toute la puissance. Toute la puissance du chasseur. Alors. Au pire. Ouais, on va faire attention. Et le tirer dans le dos. Non, c'est pas trop bon ça. Clac. Non, à chaque fois, je suis trop lent. C'est pas bon. Ouh la vache. Voilà, ce que je vous disais. En un coup, en général, on meurt. Donc on va recommencer, sauf qu'on va mieux. Alors peut-être aller là-haut, sinon il y a une autre technique pour ce passage. Voir. Est-ce que la qualité est toujours aussi bonne? Ça crache pas. Voyez, au pire, utiliser directement. Ok là. Au pire, c'est ce que j'aurais déjà dû faire, regardez. On les mitraille. Voilà, et là c'est terminé. Quel est votre statut? Terminé. On est opérationnel, madame. Plus, nos pilotes n'ont pas survécu. Trouvez-vous un trou. Bougez pas. On vient vous chercher. Très bien. Bon, bah écoutez, explorer un petit peu cette mission qui s'appelle Banlieue. Ici, des snipes. À faire. On va essayer de les avoir. Il est pas mort. Alors oui, quelquefois, ça pourrait arriver que je rage. En général, hein, c'est rare, mais... C'est-à-dire que j'aime bien, en général, assez propre. Allez. Vous voyez le bouclier, là? Comme il se protège tellement, il n'y a qu'une petite faille. Bah, je pense que vous avez vu, hein. Ok, nouveau débarquement de troupes, et... Voilà, sergent Johnson. Chef, bonne chance. On y va. Ok. Nous a débarqué de nouvelles troupes, donc de nouveaux Marines. Et nous, de notre côté, on va poursuivre. Et on va dire empêcher cette invasion qui arrivait sur Terre des Covenants. Je veux bien ton snipe. Merci. Grenade au pire. Il y a peut-être un petit peu trop de snipe là. Alors on va essayer de les viser là-haut. Le problème, vous voyez, c'est que si je me fais toucher. Voilà, c'est bon. Toi aussi. Oh. Alors. Désolé, je suis dans une page, je peux pas trop lire vos commentaires. Ok. Il est où? Il est là-haut. Juste là-haut. Non, je vais pas mourir. Voilà, parfait. Je m'en occupe. Continuez comme ça. Est-ce que tout va bien au niveau des commentaires, au niveau de la capture? Ça lag pas, c'est toujours aussi fluide. Désolé, mais c'est un petit peu phase de premier test live depuis un moment, quoi. Donc, il faut que j'ai un maximum de retours sur ça, ça ne me dérange pas. Ok. Bon, ensuite... Et en tout cas, je voulais vraiment vous remercier d'être déjà d'avoir assisté au live, hein, c'est super cool. Et la deuxième chose, c'est que vous vous intéressez vraiment au jeu. C'est-à-dire que... Bien, vous n'êtes pas là en train de parler de tout et n'importe quoi. Et moi, ça me fait super plaisir honnêtement de vous intéresser au jeu, quoi. C'est vraiment cool. Faut avouer qu'en général, c'est pas souvent le cas qui peut arriver sur des lives. Voilà, et moi, c'est un petit peu pour ça aussi que j'aimerais intégrer la GR, parce que j'ai plein de jeux à proposer. J'ai plein de jeux à proposer et je dois avouer que la saga Halo et on va dire le pourquoi avec FF10, pourquoi j'ai voulu faire une chaîne YouTube. Et c'est vrai que Halo, en fait, je peux tous les faire hein, finalement sur la GR et ça ferait... Moi, ça me ferait super plaisir parce que même si je les ai fait de mon côté sur la chaîne, et faut avouer que j'aimerais bien les refaire. Hein. Je l'ai désingué. Ah, c'est bon, Major. Ah, après, c'est pas qu'on rigole plus sur les lives de Brie, c'est pas ça, mais... Enfin, si, d'une certaine manière. Mais, en même temps, est-ce que le jeu vous intéresse réellement? C'est surtout ça, quoi.
Laissez-le-moi. C'est... voilà, Luigi, c'est plus un jeu, on va dire, fun. Halo, c'est du FPS, il faut se concentrer quand même, voyez. Mais bon, je peux quand même regarder le chat assez facilement avec vous, hein. Et pour ça, c'est cool. Et surtout, oui, bah comme Carole dit, Halo, ça change, puisque personne fait du Halo. Et surtout, je dois être, comme je vous l'ai dit, hein, l'un des seuls let's players francophones à avoir présenté toute la saga FPS des Halo. Excusez-moi, j'ai des petites remontées, rototo, j'ai dîné il n'y a pas si longtemps que ça. Chef, content de vous voir. Le site du crash est derrière cet hôtel, chef. Il y a des covenantes dans tous les coins. Suivez-moi. Très bien, alors on te suit, monsieur. Alors, allumez la torche. Pas rechargé, tranquille. Faire attention, musique un peu angoissante là. Limite un... Oh, ils m'ont fait peur, les salauds là. Tiens. Ouais, c'est rempli. C'est franchement bardé d'humour quoi. Honnêtement, on a plein d'expressions françaises qui sont hyper bien réutilisées. Alors, on en arrive ici. Je vois qu'il y a un fantôme. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est. C'est vrai que si en plus vous avez un bon micro-casque, la qualité au niveau sonore doit être exceptionnelle. Parce que moi là, je joue avec un home cinéma et il faut avouer que je suis assez... Même si le son est bas, je me régale quoi. C'est-à-dire que limite, j'ai même pas besoin de me concentrer sur le son pour savoir ce que les différentes personnes disent. Et c'est tout simplement exceptionnel. Alors là, j'ai plus de munitions. On va revenir sur le snipe. Oui, par contre, je l'avais là. Ok. Ensuite, Ronière. Il en reste un. Oh non, mais. On va peut-être prendre une autre arme. On va voir. Peut-être à changer. Allez, on va se faire plaisir. On va regarder pour une arme convenante un petit peu. Donc, l'arme de base convenante, c'est ça. C'est le pistolet à plasma. Classique. Je peux faire un tir concentré et tirer. Et moi, ce que j'aimerais vous marquer, et surtout vous montrer, c'est cette arme-là. C'est le fusil à plasma, l'arme qu'utilisent les élites. Donc, vous aurez compris que les élites sont, on va dire, un statut au-dessus, tout simplement, eh bien, des grognards. Et surtout, c'est une arme qui est vraiment hyper sympa à jouer. Elle fait très mal, elle vide le bouclier assez rapidement. On l'a eu? Attention, oh oui, on l'a eu. Et c'est surtout Halo, pourquoi on l'aime? Bah, c'est rempli de véhicules vraiment très sympathiques. Comme par exemple ici, le Warthog. En voiture, Simone. J'ai adoré quoi, en les voiture, Simone. Les roues d'équipe Covenant se trouvent sous le destroyer. Encore en contact. Je ne pense pas qu'ils aient envie de pouvoir nous faire. Hey, Elia est quand même bien faite, je trouve. Bon, là, je joue en solo. Mais c'est vraiment bien fait, quoi. C'est la musique, là, aussi. On a des ennuis. Bien joué, Marines. Et là, vous avez en face de vous ce qu'on appelle un ghost. Donc, c'est tout simplement un véhicule Covenant. Assez récurrent dans les Halo, hein, qu'on voit dans le premier Halo. Et donc vous pouvez voir tout simplement, ça tire aussi des sables de façon. Là en fait j'ai un Marine qui a la Gatling, donc tout simplement avec un gros calibre. Faites jeu de me pourris s'il vous plaît. Et on a un passager aussi qui nous aide et qui tire lui avec son arme principale. On a deux nouveaux ici qui vont faire attention au snipe. Ouais, bah, je vais trop mal, hein. Allez. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est tuer les élites. Ok. C'est un Marines qui est là-bas ou pas, non? Ouais, c'est un Marines hein, qui avait le ghost, hein. Magnifique. J'aime bien tous les tuer, hein, je précise. C'est pour ça que j'attends quelquefois. Allez, on poursuit. On peut même déraper. C'est par ici. Bonjour. Ok. Alors, on va continuer. Toujours par ici. Et on arrive sur la plage. Non, c'est pas encore des belles plages comme au Mexique. Hein.
par exemple, mais c'est quand même assez joli. Allez, les lâchez pas. Allez, on va tuer les ghosts. Les élites qui sont dessus. Non. Alors ensuite, j'aimerais bien que tu tires dessus s'il te plaît là-haut là. Il y a une élite sur le toit. Tu vas pas m'obliger à faire le tour, non? Ce serait cool. Je sais où tu te caches. Viens ici que peut-être je peux lui donner aussi un angle de tir. Foiré. On va faire attention. Ok. Allez, tire là. Faut pas m'obliger à faire le tour là. Allez, merci. Un grognard là-bas, c'est bon. Tire sur l'élite, s'il te plaît. Ah ouais, c'est le genre de choses qui va me faire par exemple rager en fait, des fois dans l'eau. Ouh, attention, c'est ce que je parlais, le fantôme et sa puissance de feu. Je vais vous montrer, regardez. Juste là. Et ils font trop, trop mal. En plus, ils débarquent des ghosts. Et ça, j'aime pas ça. Voilà. Franchement, la technique, c'est tout simplement bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, on va s'en prendre plein la face. Ok. Il reste un ghost, a priori, non? À moins que ce soit encore les tirs du fantôme. J'aime pas ça. On va continuer. Et il débarque encore d'autres ghosts. Donc je vous répète, hein, le fantôme c'est le gros véhicule ici que vous voyez en haut là, le vaisseau. Et les ghosts, hein, c'est les petits véhicules que tout simplement et eh bien le fantôme défonce. Et encore vous avez pas vu ce qu'on appelle les apparitions. Ma hantise, génial. Ça va, on se débrouille plutôt bien là. À part le premier fait qu'on a eu, et par contre le Warthog est là. Oui, on va faire attention. Tu peux partir maintenant le fantôme s'il te plaît? Bon, on a eu un point de contrôle. Parfait, le fantôme est parti. On continue. Encore là. Ok, on continue. Encore un coup. Bon voilà, on est en mode normal. Mais il faut un certain passage. N'importe quel ennemi peut devenir quand même assez difficile à manier, surtout sur genre par exemple en phase de rechargement, etc. 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 Et c'est surtout que pour moi, ça a toujours marqué son pas d'un point de vue surtout sur le gameplay, sur le scénario, sur son mode multijoueur par rapport à des sagas. Ou Battlefield, ça a toujours été un qui a gardé pourquoi on l'aime et surtout qui s'est toujours dessus, ça serait bien. Non mais dessus, non, je vais mourir. Non, je ne veux pas mourir. Ce Warthog est complètement en feu. J'aimerais bien voilà que les m'aident un petit peu. De combattre les derniers ghosts possibles imaginables qui arrivent en masse là, faut avouer. Au pire, hein, je crois que ce qui va se passer, c'est que voilà, on va avancer parce qu'elle nous tire encore dessus là. La tourelle, ah ça, on en a déjà eu une. Ok, on va éliminer un petit peu ce qui est par ici. Voilà, le fantôme s'en va. Nous, on va s'occuper des. C'est parfait, et on va pouvoir continuer. Non, non, mais va-t'en le fantôme. Ok, bon, c'est parfait. On va continuer. On a un ghost sous mes bras. Et il y a encore des ghosts qui apparaissent. Et je rappelle qu'au début de la mission, on était dans une phase honnêtement banlieue et tout ça. Et maintenant, bah, tout simplement, on arrive à une phase de véhicule vraiment sympathique. Mais c'est toujours mieux que nager. Allez, on y va. Et on continue. Voilà. Et la suite, c'est par là. J'ai analysé le dialecte des Covenant. Ils sont surpris. Un peu perdus. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à nous trouver ici. Pas vous et moi. Nous tous. L'humanité. Sur Terre. Bizarre, je sais. Mais ça expliquerait pourquoi ils débarquent avec une flotte super. Je dirais que c'était un accident, chef. Non mais le fail. Là.
Ouais, le Scarab, je confirme, est un ennemi aussi que j'aime beaucoup. Disons dans les véhicules Covenant. D'ailleurs, on va en voir un normalement dans la mission juste après. Sulfaté, Marines! Vous payez pas les bastos! Ok. Par contre. Ouais, non, on va garder ce Warthog. Et ce serait sympa en fait d'en avoir peut-être un nouveau véhicule. Et encore des ennemis que je déteste. Eh, c'est surtout, c'est vraiment. Enfin, moi, ça m'a toujours fait penser à Star Wars, quoi. Et ouais, comme ça, les armes à plasma. Ouais. Ah là là. Attention. Attention, attention, attention. Ok, on poursuit. Regardez ce tir. Il y a là-haut. Ça fait peur, hein. Vous vous rappelez pas de cette espèce d'araignée, la mécanique qu'on avait vu au début, qui nous a détruit notre Pélican, donc le véhicule de l'UNSC. Oui, j'aime beaucoup Star Wars. Je suis un énorme fan de Star Wars, bien sûr. Je suis fan de grosses sagas, Seigneur des Anneaux, Star Wars. Est-ce que j'aime beaucoup aussi Harry Potter, bien sûr. Et récemment, j'ai découvert, c'est assez connu, je les ai vus au cinéma au fur et à mesure, mais c'était pas encore terminé, c'est le Hunger Games. Et je suis tombé aussi d'une nouvelle série qui a l'air vraiment hyper bien, si elle est vraiment dans l'idée, parce que j'ai pas vu la liste, c'est le Labyrinthe. J'espère vraiment que ça va être quelque chose qui va bien exploiter, on va dire, les possibilités qu'il peut y avoir de l'univers, quoi, vraiment. Allez, on y va, on poursuit. Il est toujours en feu, hein, le Warthog. Alors, la suite, c'est là. Et on y va. Là, on est sur une autoroute souterraine, hein, je vous le précise. Et là, le but, c'est d'empêcher tout simplement le Warthog. Avec le Warthog surtout, pas d'empêcher. Mais les apparitions, ici. Donc, ce nouveau véhicule qu'on peut voir. De prendre possession et d'avancer sur le tronc. Alors là, on va bourriner jusqu'à temps qu'elle explose totalement. Ouais, tu peux t'arrêter quand même, parce que plus qu'on te met un petit peu. Alors, on va faire attention. Hop. Attention. Voilà, là, elle est déjà en feu. Nous tirer dessus, et maintenant vous voyez en fait le point faible de ce véhicule, c'est entre les deux parties qu'on voit ici. C'est pour ça que j'avance un minimum, hein. Et vous voyez le nombre de balles, honnêtement, à la Gatling, tout simplement pour détruire le véhicule. Allez, vas-y. Mal joué là! Ah, bon, c'est parti. Voilà, celle-là c'est bon. Et nous on va pouvoir avancer tranquillement. Un petit point de contrôle sympa et on retrouve encore deux nouvelles apparitions. Et encore, ça c'est des apparitions sympas, hein. Vous n'avez pas vu ce que j'appellerais les vraies apparitions. Les vraies apparitions. Alors, vous voyez qu'il y a des hélicoptères sur le toit. Bien faire attention. Il y a en général une élite qui est sur la tourelle, une élite qui conduit et une élite sur le toit. Ok, normalement ça va pas tarder à être bon. Allez, vas-y, tire. Hein. Le but c'est quoi là? Voilà, là, c'est bon. Ciao. Et j'ai vu des ghosts par ici. Ok. Là, revenir à la tourelle, faire attention à cette phase. Je ne sens pas sinon. Non, je ne veux pas mourir. Hors de question, bouclier, recharge-toi, dépêche-toi. Voilà. Parfait. Alors, la suite. Il y avait du monde. Non, mais tu rigoles là. Non, mais. Alors là, en fait, c'est l'élite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a empêché. Enfin, m'a empêché.
Allez, revenez là, revenez. Allez, monte. Non mais c'est une blague. C'est une blague là. Et en fait, elle m'a empêché de tout simplement de poursuivre et de pouvoir manœuvrer le Warthog. Allez, viens sur la toile, s'il te plaît. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire n'importe quoi, viens. Merci. Allez, on continue. On va passer comme ça. Ok. Oui, des fois, désolé si j'aurai des moments où je rage, mais il faut avouer que c'est mérité. Hein. Faut dire ce qui est. Allez, on sort de ce tunnel. On arrive donc à la troisième mission qui s'appelle Métropole. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause juste après la cinématique? Je sais pas quelle heure il est, vu que ça fait presque déjà une heure, je suppose que je suis en train de jouer. Une pause de 3 à 4 minutes, quoi, 5 maximum. Le temps que vous alliez aux toilettes. Allez, prendre un petit coup d'eau, moi j'ai besoin d'aller boire, je vous cache pas. À vous de me dire. Il nous a explosé. Du calibre 50, rien pu faire. Où est le reste de ta section? Morte, sergent. Et on va les rejoindre, monsieur, si on traîne encore dans le coin. Tu es touché? Non, sergent. Alors écoute. Le major va grimper dans ce char, passer ce pont et buter tous ces enfants de salauds qui voudront se mettre entre lui et ce foutu prophète du regret. Alors bouge ton cul, parce qu'on va le suivre. Et le scarab? On a fait quelques simulations. Ils sont solides, mais on peut les avoir. Ne lâche pas le major, il saura quoi faire. À vos ordres, sergent. Merci pour le tank. Lui ne m'offre jamais rien. Eh, je sais parler aux dames, moi. Écoutez, je pense qu'on va faire une petite pause, hein, le temps de faire ça et bah, sur de bonnes bases. Donc, pause, je vais pas couper le live, ça sert à rien. Je vous ferai réactualiser tout ça. Donc, vous étonnez pas, pause. Et on reprend d'ici, allez, on va dire, 4 minutes à peu près. Allez, je vous dis à tout.
Ok, alors est-ce que tout le monde est revenu? Est-ce que vous êtes là? J'attends vos commentaires. Avant qu'on monte sur le scorpion et que je vous explique ce que c'est exactement. On va en profiter un peu pour se balader. Hop. Zou. Zou. Sympa le pélican, vraiment. C'est sympa comme tout. Ok, donc Caro, tu es présente. Merci donc de poursuivre. Et tu m'as posé une question, là, j'ai vu, j'avais pas eu malheureusement, on va dire, le réflexe de voir. Tu m'as demandé si j'aimais bien Star Wars Battlefront. Je n'ai pas encore pu tester malheureusement. Donc je ne peux pas me faire une idée, mais si c'est de là du même acabit que sur les jeux PS2 à l'époque, faut avouer que ça peut être plutôt pas mal. Bon allez, on va monter sur le Scorpion, le piloter. Est-ce que des Marines vont venir avec nous? Non. Donc, le Scorpion. Ce qui est sympa, c'est que vous voyez, j'ai une Gatling. Rodrist. Et qu'est-ce que tu veux avec l'épée, Torlink? Tu parles de quelle épée, là? Précise-moi dans les coms, s'il te plaît. Donc, nous avons la Gatling, et bien sûr, boum! Vous aurez compris cette magnifique arme qui est, bah, tout simplement, le canon, hein. Alors le scorpion est très lent, mais alors par contre dispose d'une grande puissance de feu. Ça, il n'y a pas photo. Et là, on va traverser un long pont. Et ça va être sympa. Allez, on continue. On va peut-être passer la deuxième, mais bon, je suis déjà au maximum de vitesse avec le scorpion. Des petits ici. Boum. Vous voyez ce tir plasma concentré. Simplement des actions, et ça c'est très 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 mal. Équivalent un peu, rappeler, bah, de on voit ici le score, mais donc la commande. Hop, mais les dégâts qu'on va faire, quoi. J'ai vraiment l'impression de sens de feu. J'ai loupé par essayer de l'avoir. Boum, parfait. Et on l'avait. Il y a un moment, hein, quand on est avec, donc avec le canon, ça recharge. Hein. C'est pour ça que je peux faire de l'apparition. Ok. Ça devrait. Ouh, ça c'est. Ouais, j'ai gagné un. Qu'est-ce qu'il fait là? Boum! Adoré. Magnifique. Et en plus on se toujours sympa. Vous voyez qu'on l'a bien à. Ensuite. Et là c'est le trou en fait qu'on avait vu juste avant dans la mission par lequel le scarab était passé. Alors là, on a le fantôme par contre, ouais, on va faire attention. Parce qu'il nous tire assez facilement dessus. Et voyez honnêtement, bon je sais encore une fois que les. Vous aurez tout simplement un stream en 360p, mais il faut avouer une chose, bah c'est que moi là je prends mon pied total parce que le jeu il est vraiment hyper beau. C'est qui nous tire dessus? Oh, un nouveau, en fait un nouveau véhicule Covenant qui s'appelle le Banshee. Et le Banshee, bah tout simplement c'est une sorte de mini vaisseau, en fait on peut dire ça d'une certaine manière. Alors on va faire attention et observer un petit peu les différentes positions des ennemis, parce que là ça commence à devenir sérieux. Et là, maintenant le fantôme, hein, tu fais plus tellement de poids. Ok, cette fois on avance. On est sur la partie basse du pont. Musique toujours sympathique, des ghosts en avant. Il y en a trois. Ça devrait le faire. Ouf, oh le carnage. Voilà, et plus qu'un, il y en a encore un au fond, j'ai vu. Là et ici. Parfait. Bon. Vous avez pas autre chose à nous mettre là? On s'ennuie un peu, non? Par des petits ghosts là, en un coup on les a. Ah non, attends, j'apprends à viser. Par contre, on va quand même se méfier, hein, parce que là ils arrivent en beaucoup. En grand nombre, on peut dire. Et. On va faire attention surtout à notre bouclier. Et en plus, je sais pas si vous commencez à voir les petits traînées qu'il y a sur le scorpion.
Alors faire très attention. Ok. Bon. Dommage qu'il n'y ait pas un succès éliminé du genre 50, 50 gosses, là on l'aurait eu assez facilement. Voilà. À mon avis, ils nous ont réservé d'autres surprises, ça paraît tellement logique. Donc la suite est par ici. On y va. Joli comité d'accueil. Oui, bah, le comité d'accueil, on va déjà bien s'en occuper ensuite. Donc là-haut. Banshee, on va faire attention. Une fois qu'ils sont sur nous. Ok. On peut pas les... Oh oui, on l'a eu. Oh, c'était magnifique. Là aussi, on l'a eu. Et la troisième. Oh, c'était superbe. Là, franchement, c'est plutôt pas mal. Jouer là-bas des ghosts au loin. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une apparition. Ça paraît tellement logique. On va quand même se méfier encore une fois des ghosts. Hein. Oui, c'est bon, on l'a eu. Toi, c'est bon. Encore un petit ghost. Ok. Vous voyez, apparition, nous en a mis deux. Ils sont tellement gentils. On va d'abord s'occuper des apparitions. Normalement, deux coups, c'est bon. Oh, pas mal géré. Et attention, ici. Voilà, on va enchaîner. C'est nickel. On y va et on poursuit. Et on s'engouffre dans le tunnel encore une fois. Mais alors franchement, Scorpion, qu'est-ce qu'il est lent. Mais alors quelle grande puissance de frappe qu'il a. C'est vraiment super sympathique. Ok, allez. Cette fois des petits covenants, hein, tout simple. On a eu un grognard là-bas, je suppose que ça doit être une élite. On va s'en occuper. Ah, elle est même pas morte. Oh, c'est même pas drôle. Un grognard. Non, genre tu nous tires dessus. Et si on t'écrasait? Ça y est, c'est fait. Parfait. Bon, alors la suite. Très bien. Quoi? Tu dégages. Ah, il y avait des collègues là avec le Warthog. À faire attention. Je vois pas trop commenter. Ça vous plaît pas trop ou... Non, dites-moi. Un peu dommage, non? Utiliser la Gatling parce qu'il y a quand même nos coéquipiers. On va limiter les risques. Hein. Tout. Ouais, bah ça a l'air bon. Hey, non, en fait, on va descendre parce qu'on peut plus passer. Et cette fois, on va y aller à pied. On va mettre la torche pour que ce soit pas trop noir pour vous. Il reste du monde, on les a tous éliminés. Non, c'est bon. Quoique. Grenade! Oh oui, on l'a collé. Boum! Parfait. Grognard, élite, comme d'habitude, le combo. On va faire attention. Par contre, il y a des snipers, on va faire attention là-bas. Il y a des petits rapaces avec des snipes. Oh oui, par contre, il y a... Oh oui, on l'a collé aussi. Parfait. On va attendre que le bouclier se recharge. Ah! Boum. Ce serait bien qu'on essaie de se retrouver une petite arme sympa, genre de l'UNSC, ce serait bien. Ah bah tiens, regardez. Voilà. Oui, par contre, il fait super mal là-bas, là, avec son snipe. Ah, attention. Bon, on a eu un point de contrôle au cas où, par contre, je peux pas remonter. Faire attention, il y a encore des élites. Ouais. Et il fait très mal, hein. On va se couvrir. On va se couvrir, attention. Hop. Oui. Bon, cette fois on va se servir de ça. Hop. Voyez, et en plus c'est automatique, c'est parfait. Donc j'aimerais bien sérieusement remonter pour pouvoir tuer les quelques covenants qu'il y a. Faire du genre comme ça et comme ça. Pour récupérer un sniper et cette fois l'avoir. Parfait. Quoi? Oh, on a failli l'avoir. Dommage. Rapace classique. Boum. Et encore des snipes, hein. Non mais... Oh là, on va faire attention, il y a pas mal de grenades plasma. Ouf. Plutôt pas mal. Alors, ensuite.
là. Et boum. Et on poursuit. Sans snipe. Ouais, il a plus de munitions. Et nous, on va poursuivre par là. Peut-être éteindre la lumière, on est mieux. Hop. Et on va regarder un petit peu. La suite est par là. Hein. On s'engouffre, on s'engouffre, on s'engouffre. Un de nous est de trop dans cette ville. Bah ouais, c'est les Covenants. On va l'avoir. Boum. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller voir nos amis de l'UNSC là-bas pour aller récupérer le Warthog. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir quelques élites avec le snipe? Oh, j'ai fait. Bah, ah, c'est dommage. Ah, j'ai eu un snipe. Là-bas, du genre. Voilà, on l'a eu. Ensuite, Grognard, on l'a eu. Il y a un autre snipe là-bas où j'ai vu. Non. Ça me paraît bizarre. Là. Oh, voilà, la tourelle, c'est bon. L'élite, en deux coups, c'est fini. Après, il reste du monde ou là-bas? Et il y a un snipe quelque part, là-bas au bout. Ouh, salopio. Voilà, parfait. Là. On a failli l'avoir. On lui a vidé son bouclier, mais on ne l'a pas tué. Là, je vois encore un rapace. On va faire attention. Voilà. On va peut-être récupérer. Peut-être qu'il a plus de munitions. Voilà, au cas où on en a besoin toujours. Hein. Grenade. Ah. Attention. Voilà, parfait. Et il restait un ennemi. Rapace. Voilà, nickel. Bon, cette fois, on va aller récupérer le Warthog. Tu peux venir, s'il te plaît, là, au lieu de faire le tour. Ouh, il y a des fantômes en plus. Ok. Bon. Essayez de voler. Parfait. Oh oui, en plus, on l'a tué. C'est nickel. On va détruire le Ghost ennemi. Voilà, comme ça on prend possession du gauche, je vous montre un peu la puissance de feu. Très sympathique hein, comme véhicule. On peut accélérer, on a... Ouais, je veux bien... Ouais, je veux le Warthog en fait. Parce qu'en plus il y a une apparition et j'aimerais pas qu'elle nous bousille. Le Warthog, et c'est fini. Bon bah, on est obligé de se faire au ghost. Wow, c'était beau ça. Attention, voilà, on va juste faire attention. Non, te retourne pas. Ouais, j'en étais sûr qu'on allait mourir. J'en étais sûr. Bon. Donne-moi l'apparition. Enfin, donne-moi l'apparition. Bah, voilà, on va s'occuper de l'apparition. On va essayer que le ghost reste en bon état. Et on va s'occuper de nous. Ah, par contre, je vois qu'il y a des snipes. Des... Oh. Même si on a... Mais non. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ah, on va recommencer ce passage, mais bon, là ça devrait être la bonne... Et la... Oh, 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 bon. La vidée... Non mais... Au pied... Si on va... Est-ce que le Warthog va se faire exploser? On va voir. On va s'occuper du... Peut-être que le Warthog va pouvoir s'occuper bah, tout simplement de l'apparition. Parce que l'apparition a l'air de se concentrer sur... Ouais. Mais qu'est-ce... On s'est fait tuer. On va pouvoir parler. Boum boum boum. Allez, je vais me concentrer là, on va essayer de se concentrer rapidement. Pour moi déjà, éliminé. Comme il faut les ghosts. Allez.
J'ai l'impression de faire un tour de manège. Ok, donc, par contre on a plus de bouclier, on va se dépêcher. Ouais. Attention, attention, attention. Pas qu'on se soit occupé des ghosts, hein, ça va être plus simple pour l'apparition, mais là, il faudra qu'on fasse attention. Très, très, très attention. Il est où le Warthog? Il est mouru le Warthog ou... Attention. Allez. Allez. J'ai marre de jouer là. Voilà, mon gosse de moi. Ah. Après. Notre gosse, il est vraiment en sale état. Voilà, cette fois c'est entre nous. Alors, toujours l'apparition, un point faible. Oh non, c'est bon. Bon, il faut que j'ai le Warthog. Il faut que j'ai le Warthog. Parce que là, sinon, on va jamais s'en sortir. Donc, le Warthog. Et hop là. Et cette fois, je m'en fiche. Mais il me faut le Warthog. Viens avec moi. Oh, c'est pas vrai. Vas-y, moi, je vais me la faire. On va y aller. Et on va se la faire à pied. Ok. Toi. J'ai pas envie qu'il me snipe là comme des. Oh ouf! D'avoir s'occupé d'eux. Je suis désolé hein, si je vous fais tomber sur. On va dire durer sur le passage, mais. Voilà. B. 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 Et on va poser une grenade. Et maintenant, on se casse. Voilà, on a eu l'apparition. Nickel. Et cette fois, on va laisser les avoir. Comme il faut, comme ça, au snipe. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait, tu verras avec le retour. Comment dire, bah Caro. On va essayer de voler le ghost, hein, je promets rien, mais au pire, hein, j'aimerais pas me faire écraser, ce serait dommage. Bon. Boum. Ah, est-ce qu'on pourrait pas récupérer le ghost au bout? On les a tous éliminés. Oh oui, nickel. Regardez ce qu'on a récupéré. Voilà, ça fait plaisir. Et cette fois, on y va. Et on enchaîne. Sympa la petite fontaine. Ah, il y avait encore un ghost. Bah, normal, oui, comme s'il y avait encore deux ghosts derrière nous. Qui sortent de chapeau magique, quoi. Désolé, mais moi, j'aime bien tuer tous les ennemis. On peut dire ce qu'il y a. Quoi, tu vas encore essayer de me récupérer comme d'habitude mon gosse, mais en même temps c'est la technique. Hein. Voilà. Et on poursuit. Un petit point de contrôle, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc d'autres ghosts. Essayez de les avoir. Ouh! Je vais pas tirer sur ses alliés aussi. Ce serait mieux. Donc là on se retrouve encore dans un décor urbain. On va voir ce qu'il en est. Il y a des marines coincées dans ce bâtiment. Concentrez-vous sur les apparitions. Ce sont les pires. Très bien, c'est bien ce que j'allais penser. De toute façon, Cortana, ne t'inquiète pas. Allez, on va essayer de la voir comme il faut. Au pire. Oh oui, ça c'est parfait. Merci le Warthog de nous avoir aidés. On va s'occuper de la deuxième. Voilà. On est quand même beaucoup plus mouvant en fait hein, que, bah, que l'apparition. Bon oui, on a eu la deuxième. Ça c'est nickel. Un fantôme. Attention. Oui, ça je suis bien d'accord. Halo 2 ressemble pas mal à ODST. Ou plutôt ODST. Halo 3 ODST ressemblerait beaucoup à Halo 2. Hein. Parce que je te rappelle que Halo 2 est sorti avant Halo 3 ODST. D'ailleurs j'aime beaucoup Halo 3 ODST. Hein. Il a été beaucoup décrié tout ça parce que c'était pas avec Master Chief et tout ça. Mais moi que ce soit Halo Reach ou Halo 3 ODST, entre guillemets les deux spin-offs hein, des... on va dire de la trame principale de Master Chief, moi ce sont des jeux que j'adore tout particulièrement. Ok. La suite. Parfait. Donc vous aurez bien compris que la suite ça va être le scarab. Et donc si vous avez suivi, c'est l'araignée mécanique.
fait m'attirer dessus là. Y'a un snipe ou pas là? Ils ont dû certainement s'en occuper. Vous êtes garé où au fait? Chef, Caporal Perez, compagnie A, le PC est par là. Eh bien, le lieutenant a été touché d'entrée de jeu. Qui commande, Caporal? Le sergent Banks, madame. Il est en haut. Ça a pas mal. Venez, je vous montre. Ça, c'est malin, ça. Eh bien, alors, je vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance. Et donc là, il va falloir qu'on monte. Et on a récupéré un lance-roquette. Particulièrement énorme et vraiment très simple. Et là, pour regarder la puissance. J'ai demandé des renforts, je pensais pas qu'ils enverraient un Spartan. Ça sent mauvais. J'adore le champ qu'on va avoir. On est dans la merde. Arine, je vous ai donné la permission de vous plaindre. Arrêtez! Baissez la tête! Allez, comment c'est sympa! Allez, on poursuit, et le but c'est qu'on la détruise, c'est qu'on détruise ce Scarab. À mon avis, il va falloir encore plus monter. C'est-à-dire que surtout Halo Reach est un jeu vraiment exceptionnel quoi. Moi je parle honnêtement, c'est les origines de la saga Halo, hein, 10 ans avant les événements d'Halo 1. Et c'est tout simplement bluffant quoi. Ne serait-ce qu'on puisse mettre un soldat de Noble 6, enfin de la Team Noble, donc notre Spartan Noble 6, c'est tout simplement, et pouvoir customiser, c'est tout simplement énorme quoi. Enfin, je pense que oui, on sera d'accord tous ensemble. Hein. Alors, on va essayer de prendre le snipe et tirer sur les différents ennemis. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ok, on va continuer. Regardez. Oh, je l'ai loupé. Oh, pas mal. Ça, je suis plutôt content. Ce que je préviens, je suis une grosse au snipe, hein, je précise, surtout avec... le snipe de l'UNSC. Ok. Oh, le mec il s'est pas visé, vous sentez ça? Le but en fait c'est dans les mines un maximum, vous allez comprendre très vite. Hop. En même temps c'est pas facile, les cibles sont assez mouvantes là. Bon, par contre c'est traîné avec le snipe là, c'est plutôt sympathique. Hein. Parce qu'il est... Ouais, j'étais dessus là. T'es pas du tout dessus. Alors peut-être qu'on peut essayer de les avoir ici. Oh, je l'ai pas eu, c'est pas. Quand je vous ai dit que j'étais mauvais. Ah. On l'a. Mais. Ah, le plus de munitions. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non. Le fake. Ça va qu'on prend pas très loin. Le mec il se tape des délires tout seul. J'ai même pas fait attention, je mettais mes pieds. Bon, toi par contre tu commences à me saouler. Ah. Mon dieu. Et ici, getting to well. Montre-toi un peu. Ok. Il y a quand même pas mal d'élite hein, sur le scarab. Hein. Major, vous allez devoir monter sur ce scarab. Ouais, mais on va d'abord tuer tout ce qu'il y a dessus, quand on a s'il te plaît. Je pense que ça a l'air bon, alors cette fois on va pas se fail. Hop. Parfait, au pire on a un lance-roquette. Boum. Là ça fait mal. On va essayer de récupérer une arme mieux.
un snipe, ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on poursuit. Ouh, il y a du monde, regardez. Au pire, s'ils prennent vraiment la tête, hein. Ouh, la blague. On va attendre que le sanglier revienne. Attention. En plus, ils sont... Oui, normalement, ça devrait être bon, mais... je suis pas sûr qu'on les a eu tous, hein. Tiens, mais comment... Non, dégage avec ton épée. Dégage. Non. Attention, Major. Cette élite est un ultra, et ses pilotes ne sont pas des manches. Eh bah tiens, Torling, toi qui voulais l'épée, moi je l'ai cette fois. Sauf qu'on va attendre que le bouclier se revienne, et cette fois on va faire un véritable massacre. Allez, viens faire un joujou un petit peu avec nous. Boum. Et voilà. C'est parfait. Allez, je vous laisse profiter de la cinématique. Major est retourné à l'île Numberclad. Bien compris. Alors ? Monsieur, le prophète se barre. Demande permission d'attaquer. Négatif, commandant. Deux intercepteurs l'attendent hors atmosphère. Rupture spatio-temporelle repérée devant la cible. Il va sauter en pleine ville. Ne perdons pas de temps. Autorisation accordée. Attaquez. À fond. Sur eux, vite. Mais commandant, sans destination? Ne me perdez pas, ce vaisseau! Ok, donc là vous aurez pu vous apercevoir carrément que, eh bien, ça a été la Berenisa, et honnêtement, bah, sur cette ville, eh bien, elle a été complètement explosée, on s'est téléporté, on a suivi le prophète du regret, donc via son vaisseau, et un portail dimensionnel. Je vous laisse avec la cinématique d'après qui est très 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 importante. Juste comme je l'aime. Taisez-vous. J'ai l'impression d'entendre des grognards. On ne le met pas en prison. Les hiérarques lui réservent une surprise. Voici l'incapable. Tu peux disposer, Tartarus. Mais je pensais... Emmène tes brutes avec... Relâchez le prisonnier. Le Conseil a décidé de te pendre par les entrailles et d'exposer ta dépouille. Mais c'est à moi que revient de décider du mode d'exécution. Je suis pas mort. Et effectivement, sais-tu où nous sommes ? Le mausolée de l'arbiteur. C'est cela.
C'est ici que repose l'avant-garde du grand voyage. Chaque arbiteur, du premier au dernier, chacun né et consumé lors de crises extrêmes. La soumission des chasseurs, la révolte des grognards. Sans les arbiteurs, l'Alliance aurait déjà volé en éclats. Même en rampant, je ne suis pas digne d'être ici. La destruction de Halo était une faute et tu en es responsable. Mais le Conseil a fait du zèle. Nous savons que tu n'es pas un hérétique. Voici le véritable visage de l'hérétique. Celui qui incite à la rébellion contre le Grand Conseil. Nos prophètes mortes. Ouvrez les yeux, mes frères. Ils se servent de la foi des anciens pour nous mener au chaos. Le Grand Voyage est une trompe. Cet hérétique et ses disciples doivent être réduits au silence. Ces mensonges offensent tous ceux qui suivent la voie. Que puis-je faire? Je ne peux plus commander de vaisseaux, ni de soldats. Ainsi, non. Mais en devenant l'arbitre, et tu auras notre bénédiction pour réduire cette hérésie à néant. Et pour le Conseil? Il y a peu de chances que tu survives aux missions que nous te confierons. Tu mourras comme tous les autres arbiteurs avant toi. Et le Conseil aura ton corps. Qu'attendez-vous de l'arbiteur exactement? En rejoignant l'Alliance, nous avons prêté serment. Conformément à notre rang, tous sans exception. Sur le sang de nos pères, sur le sang de nos fils, nous avons juré de soutenir l'Alliance. Même si nous devons mourir. Ceux qui renient ce serment sont des hérétiques. Ils ne méritent ni pitié, ni clémence. Ils utilisent les créations de nos seigneurs pour diffuser leurs mensonges. Nous en ferons de la poussière. Et nous continuerons notre marche vers le salut. Cette armure est parfaite, mais on voit encore cette marque. Rien ne peut l'effacer. Vous êtes l'arbiteur, le bras armé des prophètes. Et ce sont mes élites. Leur vie n'importe pas la vôtre. Nous sommes d'accord. Chef, pas de doute. La tempête frappera les installations. Nous serons partis avant qu'elle soit sur nous. Ok, donc on se retrouve avec cette longue cinématique. Et je pense que je vais en arrêter ici pour le live. Alors si ça vous a plu, bah, pourquoi pas honnêtement poursuivre ce live hein, tout simplement. Sans rediffusion, puisqu'au final le jeu je l'ai déjà fait proposer sur ma chaîne. Honnêtement, ouais, pourquoi pas poursuivre nos aventures sur ce jeu si ça vous a plu. Juste pour la fin, est-ce que tout va bien? Est-ce que ça vous a plu? Je sais qu'on n'était pas très nombreuses et nombreux, mais moi c'est pas grave, je ne fais pas ça pour le nombre de viewers. J'ai passé un bon moment, on a passé 2 heures très sympathiques, honnêtement. Moi ça me fait super plaisir. Et bah écoutez, bah, j'attends vos retours pour savoir si ça vous a plu et tout ça, quoi. Et je pense qu'on va s'en arrêter là, quoi. Donc à vous de me dire. J'ai un petit peu pendant ce temps-là, on va dire, bouger, hein. C'est l'essentiel. J'étais en train de regarder la capture, mais finalement, c'est pas si mal que ça, en fait, en 360p, hein. Ça reste tout à fait visionnable, hein. Du
Du moment que ça lag pas, après, c'est l'essentiel. Ah, merci Dubois, honnêtement, merci beaucoup. Alors Caro, je te précise, donc ma chaîne c'est Mr. Falken 27, moi de mon côté je m'appelle Falken, et tu trouveras donc ma chaîne qui est directement donc sur le même nom, Mr. Falken 27, et la meilleure des solutions, je pense, c'est tout simplement c'est de me poursuivre en fait sur Twitter, parce que c'est vrai que je fais pas mal d'annonces en général. Et ça me ferait plaisir honnêtement si t'aimes bien la saga Halo, puisque t'as l'air de t'y connaître. Et honnêtement, ça fait super plaisir d'avoir une fille qui s'intéresse surtout dans l'univers de Halo, car c'est très très rare, je tiens à le dire. En tout cas, merci pour l'accueil que vous avez fait pour ce let's play, on va dire plutôt live découverte let's play, on peut dire d'une certaine manière. Mais honnêtement, on a bien avancé en 2 heures. On a fait 1, 2, 3 missions. Faut avouer que c'est, ma foi, plutôt très bien. En plus, c'est un jeu qui est assez long, qui pourrait faire en 4 lives à peu près à chaque fois si on fait 2 heures. Donc voilà, moi ça me ferait plaisir. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée pour ma part. Et j'attends votre retour pour savoir quand je peux couper le live pour vous dire tout simplement une bonne fin de soirée. Donc je fais ce qu'on appelle un top. Et quand vous mettez en com top, tout simplement ça veut dire que je vais couper le live. Donc merci à tous d'avoir visionné et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Allez, bonne soirée. Moi, du coup, j'arrive dans la convo du bois. Torling, si vous êtes encore là, j'arrive dans la convo. Il n'y a pas de souci. A tout de suite. Et je pense que normalement, je vais stopper là pour le live. Allez, je vous dis à bientôt. C'était encore Falken. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bonne fin de soirée, surtout.